Cette vidéo est sponsorisée par Cure et je les en remercie. Donc Cure, ce sont les compléments alimentaires. Je suis une grande fan de compléments alimentaires et j'avais très envie de tester parce que eux, leur particularité vraiment, c'est que sur leur site, on fait un test très rapide et très simple qui vous permet vraiment de définir vos besoins. Moi, je l'avais déjà fait plusieurs fois parce que j'étais hyper curieuse de savoir ce qu'ils allaient me conseiller. Et cette fois-ci, il est très particulier mon résultat parce que j'allaite. Donc du coup, c'est vraiment très personnalisé et notamment, j'avais cliqué par exemple que je voulais gérer mon stress et dedans je n'ai rien pour ça parce que souvent les compléments alimentaires pour le stress sont incompatibles avec l'allaitement. Donc à l'intérieur j'ai 4 gélules, j'en ai 2 qui est un complexe maternité. Je vais vous mettre un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur ici parce que je me souviens pas, il y a du magnésium et tout plein de vitamines. J'en ai une 3e qui est pour le fer et une 4e pour les oméga 3 et c'est ultra simple. En fait j'ai juste pris à la maison le bon nombre de sachets dont j'avais besoin, en fait le nombre de jours où je reste ici en Corse. Donc là il reste plus que 4 parce qu'il me reste plus que 4 jours encore et voilà, j'ai glissé ça dans ma valise. C'est trop bien, on se traîne pas les 1500 boîtes qu'on peut avoir à la maison et surtout on a tout qui est compatible les uns avec les autres. Franchement c'est sans prise de tête, c'est sans plastique, c'est entièrement recyclable. On peut aussi pour les mois d'après commander juste les sachets, comme ça on les remet dans la boîte, on réutilise pas une autre boîte. Et voilà, je suis fan du concept. C'est fabriqué en France et en Belgique. Et j'ai un code promo pour vous qui vous donne moins 30% sur votre première cure. Donc c'est hyper intéressant, je vous le mets juste ici. Et sinon je vous mets aussi le lien en barre d'infos si vous préférez, suivant vos préférences, ce qui est le plus simple pour vous. Mais en tout cas vous aurez tout ça. Et voilà, ça fait un mois en fait, là moi j'arrive à la fin de ma cure. Il doit m'attendre encore 2 sachets à la maison. Enfin, j'arrive à la fin du mois de ma cure. Je vais repartir pour un nouveau mois. Et franchement, j'en suis très contente. Je trouve que j'ai récupéré un petit peu d'énergie et ça fait du bien. Ajoutez à ça le fait que les nuits avec Matisse commencent à vraiment s'améliorer. Voilà, ça fait du bien. Ici, en plus, en Corse, je me repose. J'ai un peu pris le soleil. Donc, c'est juste le combo parfait. D'ailleurs, je suis en train de penser, vous pouvez aussi préparer votre peau au soleil. Enfin, vraiment... c'est ultra personnalisé sur le site. Vraiment, je vous invite à aller voir, à aller faire le test parce que j'adore. En fait, vraiment, d'avoir quelque chose de personnalisé comme ça. Moi, je suis une grande fan de compléments alimentaires. J'en prends depuis toujours. Franchement, je ne saurais pas dire quand est-ce que j'ai commencé. Donc voilà, je suis trop fan et je vous laisse avec la suite des images. Durant cette jolie semaine en Corse, on a alterné en fait les journées à la villa où on profitait de la piscine, de la pergola pour manger, la plancha, etc. Et des journées balades. Donc là, on était dans un petit restaurant à Saint-Florent qui s'appelle La Maison des pizzas. Super. Avec ma maman, on s'est pris une après-midi dans un spa. En fait, je lui ai fait la surprise d'aller au spa La Madrague. On a eu tout un rituel de 2h30, c'était trop bon. Et ensuite, on allait se prendre un petit thé dans un truc qui s'appelle Bleu comme un jardin. Je trouvais ça très sympa. Le lendemain, on est allé voir la plage de Fornali qui se mérite un peu. Il y a un petit peu des cailloux, mais c'est largement faisable. Ma fille de 2 ans, lui tenant la main, c'était nickel. Et c'était super beau surtout. Vraiment, on a adoré. 3. On les voit pas? Ouais, tu trouves? 1, 2, 3. Ça marche ou pas? Les petites frites. Bah ouais. Voilà, j'avais très envie de vous mettre dans cette vidéo des petites images de notre séjour, les petites bonnes adresses que vraiment j'ai adorées. Et maintenant, sans plus tarder, on passe enfin au room tour. Est-ce que on peut parler déjà de la porte? Elle est magnifique cette porte. Qui est absolument magnifique, on est d'accord. Elle est plus belle que la nôtre. Elle est très belle. Ta-da-da, les chaussures de mon père. Donc voilà la grande pièce. Trop beau, j'adore la charpente. Magnifique, qui donne directement sur la cuisine. Petite cave à vin, petit frigo, elle est tout équipée, elle est canon. Le sol est trop beau. Hop, et avec le salon, franchement j'adore là la vue. C'est vraiment très beau. Là, il y a une petite buanderie, ils sont trop gentils, ils nous ont équipés avec un, Ah, il y a machine à laver avec une chaise haute, donc ça c'est top. Et là, on a vu sur la piscine. Je vous montrerai plus tard. Ici, on monte à l'étage où il y a deux chambres. Je vous montrerai juste après. Et là, on a une espèce de... C'est trop beau quand même. Une espèce de suite parentale. Je trouve que les finitions de cette maison sont vraiment très belles. Genre le parquet est très beau, les portes sont très belles. Donc là à l'étage, en fait, on a ici un WC. Je voulais quand même vous montrer le carrelage qui est très sympa et la couleur au mur. Alors en vrai, c'est beaucoup plus orangé. Là, ça fait très vert. Voilà. Ici, il y a une première chambre. Trop jolie. Toujours avec les placards et tout. Vous entendez Matisse qui s'éclate. Une autre chambre ici. Voilà, bien équipée également. Et là, il y a la deuxième salle de bain. Hop! Et voilà. J'aime trop ici, miroir, ici, fenêtre. Trop sympa. Oh, on va être bien toute la semaine ici. Oh, regardez le luminaire. Trop joli. Et en bas, du coup, juste à côté de la pièce à vivre, là, il y a un WC avec du trop beau travertin au sol. Attendez. Hop. Voilà. Et là, tada! Ici, c'est trop bien parce que donc il y a une chambre. Petite commode trop beau. Donc là, ça donne sur la pièce à vivre. Et ici, il y a un espace dressing. Donc nous... Typiquement, on va mettre Matisse ici. C'est trop bien. Juste, on a amené notre lit parapluie pour qu'il ait ses odeurs et tout. Mais je trouve ça trop pratique, cette petite pièce en plus. Et vous n'êtes pas prêts. Bon, aujourd'hui, il ne fait pas beau. Donc, je vous refilmerai quand il fera beau. Ça donne sur la piscine. Magnifique. C'est franchement trop beau. Et là, il y a la salle de bain. Trop canon, j'adore. Douche plus baignoire. Super beau. Je vous mens pas si je vous dis que j'avais repéré ce carrelage chez Leroy Merlin il y a plusieurs années. Il est trop beau. Voilà, trop canon. Là, on a garé le camion. Après, vous avez quelques marches pour monter à la maison. Et voilà, le clou du spectacle. Je vous ai gardé l'extérieur pour la fin. C'est trop beau, on a une vue de dingue. Donc il y a la piscine, je vous la filmerai ouverte tout à l'heure. Les transats, un petit coin pour se poser. Ici on donne sur le salon. Et là, ça donne sur notre chambre que je vous ai montré tout à l'heure. Coucou! Ici, il y a le petit local piscine où il y a rangé tous les coussins et tout pour le salon de jardin. C'est trop beau. La plancha qu'on a déjà utilisée, le petit coin. On n'a pas encore mangé, mais ça ne saurait tarder au vu du beau temps qu'on a aujourd'hui. Franchement, c'est très sympa. J'aime bien les petites suspensions et tout. Vraiment trop bien. On est trop bien ici, là, pour se ressourcer. C'est de la bombe. Là, tous les volets sont fermés parce que je vous filme à l'heure de la sieste. Tout le monde est à la sieste. Bon, je pense que je vais clôturer ici cette vidéo. J'ai fait plein de petits plans voilà, de notre séjour en Corse, etc. J'espère que ça vous a plu. Cette villa est trop belle. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous dit. Nous, on a réservé cette semaine parce que c'était la seule qui était dispo. Franchement, ils s'arrachent, enfin, leur date s'arrache. Donc, bon, si jamais ça vous intéresse, mais il faut réserver vachement à l'avance. On avait réservé début décembre, quand même, pour fin mai. Donc, c'est vous dire. Je sais pas si vous entendez les oiseaux, c'est trop beau. Mais voilà, comme on me l'a demandé sur Instagram, je vous mets le lien. Si jamais vous vous demandez, nous, là, pour la semaine, donc du samedi au samedi, on a payé 2000 €. Voilà, sachant qu'on peut y loger à 6, voire à 7. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 6 lits et il y a une place encore en plus pour un bébé. Voilà, et nous, bah, on est 4 plus 2 enfants. Donc c'est juste parfait. Et en fait, il y a une chambre, bah, vous avez vu, avec 2 chambres avec lit double et une chambre avec 2 lits simples. Donc voilà, c'est largement faisable. Et en tout cas, nous, on n'est pas déçus de cette location et on va passer une trop bonne semaine. Et puis ben voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.